Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. À toi la gloire. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Bonjour, ça dépend de quel endroit que vous écoutez l'édition Hébreux 13:8. C'est toujours avec un grand plaisir pour nous capables ensemble. Chaque dimanche, à partir de 7h30. Pour capable écouter édition Hébreux 13:8, qui c'est une édition qui portait un pile éclaircissement sur la parole de Dieu. Nous saluons dans le plus grand nom, le Seigneur Jésus-Christ, plus grand nom que la terre entière besoin. Il y a un nom qui est plus grand dans le ciel. Il y a un nom qui est plus grand sous terre. Il y a un nom qui est plus grand en bas terre là. C'est avec même plaisir là pour nous saluer ou c'est avec même plaisir là pour nous servir ou. Ou déjà qu'on nous déjà non, c'est David Sirai. Yon serviteur de Dieu, yon homme de Dieu que Dieu utilisait pour capable propager, proclamer, véhiculer la parole de Dieu. Moi c'est porte-parole. Le Seigneur Jésus-Christ. Et nous t'aimons chaque bien-aimé qui branché cap coûté pour devenu. Et on porte parole pour le Seigneur Jésus-Christ. N'a profité saluer notre bien-aimé Patrice Saint-Just, PDG Radio La Foi Apostolique dans Brooklyn. Nous sommes des frères qui unis ensemble pour nous capables de proclamer plus grand nom. Que nous sommes capables de veiller, nous sommes capables de consoler, et que nous sommes capables de sauver, les mêmes seuls. Saluer notre bien-aimé frère Clifford Charles. C'est un plaisir pour nous ensemble et pour nous proclamer grand nom ça, le seul vrai nom à travers l'humanité. Par contre, pas oublier que nous gagnons sujet, c'est la résurrection des morts. Mais en d'un sujet, la résurrection des morts, n'a tiré un petit tas pour asseoir. Qui s'allie? Tu es poussière, tu retourneras en poussière. Peut-être c'est pas ça où tu as besoin d'entendre à souhait, hein? Mais pratiquement c'est ça, l'Esprit Saint. Bon, m'annoncer à souhait, hein? Tu es poussière. Et tu retourneras en poussière. Suive-nous de près, Naptouné. Pendant qu'on va écouter musique, ça,
n'a pas venir rapidement. Jésus est dans l'air. Chez live là, pour annoncer un tel sujet à soi. Pas oublier, sujet c'est tu es poussière et tu retourneras en poussière. N'a venu. Bon, diminuer musique là pour me saluer la sœur Bernadette Mathurin, notre sœur en Christ, Cap Couté et Boston, et ceci pour la gloire de Dieu. Ces sujets, tu es poussière, tu retourneras en poussière. Soit en bas, même grand sujet n'a traité la résurrection des morts. Suivez-nous, n'a venir dans quelques minutes. Nous saluons la sœur Nadia Chancy. Et nous saluons Maril à toute famille. Pas oublier saluer le petit pasteur. Pour nous. Parce que toute la parole de Dieu est dans la Bible. Prenez votre Bible. Fais la Bible zami ou. Ou écoutez édition Hébreu 13:8. Il y a une édition qui aide à comprendre très très bien la Bible. Pour devenir un évangéliste et pour annoncer, pour véhiculer la parole de Dieu. Soyez branchés.
en nous la prière, ces mots de passe pour nous rencontrer avec le Seigneur en esprit. La prière, c'est tout un discernement d'esprit avec le Seigneur. Ça fait l'apôtre Paul dit, prier sans cesse. Si pas qu'on connaît définition ça, c'est tout un discernement d'esprit avec le Seigneur en permanence. C'est ça signifie prier sans cesse. Prions les seigneurs, ou même qui malade, disposé ou, et croit que le Seigneur est capable de guérir ou assurer. La Bible, qui c'est la parole inspirée de Dieu, fait nous connaître que la prière du juste a une grande efficacité. Puisque nous sommes des justes, à travers le sang précieux de Jésus-Christ, eh bien c'est pour cela, à Soya, nous avons accès au royaume de Dieu. Et tant que fils du royaume, et tant que fille du royaume, soyez extrêmement bénis et nous prenons la prière. Fais Dieu ça, le vrai Dieu, confiance. Il est capable de remplir le cœur et transformer. Juste avant que nous venions avec l'enseignement, sujet ça à Soya, tu es poussière, tu retourneras en poussière. Oubliez n'a traité le sujet, la résurrection des morts, mais en dans sujet là, nous tirer un petit A qui dit tu es poussière, tu retourneras en poussière. Nous saluer Facebook. On salue YouTube, les gros médias à travers le monde, une salutation spéciale. Fais bon Dieu confiance. Il est réel et ceci croit par la foi. Croit à tout homme, croit à tout être. Il est réel. Il nous va le prouver que le réel à travers la Bible. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Prions le Seigneur. Père céleste en Jésus-Christ, notre Dieu, le plus haut des cieux. Adorations-nous à vous-même seul et pour même seul. Toute gloire, toute adoration, c'est pour vous assoya. Et nous dédier toute vie nous, pour nous glorifier au cher Seigneur. Oui, vous méritez pour nous adorer et pour nous glorifier. Merci pour ce grand privilège. Le fait que vous faites devenir tes enfants, tes rachetés. Merci. Merci, Seigneur. Vous faites devenir tes élus, tes prédestinés avant la fondation du monde. Merci. Merci pour l'espérance. Merci pour route qui est déjà tracée. Alléluia. Merci pour plan
qui tracé qu'a révélé dans nom nous. Merci pour chaque bien-aimé qui déjà branché sur édition Hébreux 13. Permettre édition Hébreux 13 capable toucher quantité qu'elle doit toucher à soi. En passant, nous prions au Seigneur pour si là, yo qui malade. Yon seul bagaille que nous connaissons à travers parole, nous. Depuis l'esprit rempli que nous. Pas de place, Seigneur, pour désolation. Depuis l'esprit rempli que nous. Pas de place pour maladie. Depuis l'esprit rempli que nous. Pas de place, Seigneur, pour les choses déshonnêtes, pour chagrin, pour désespoir et la trier. Permette-nous, ô Dieu, va rester ferme, inébranlable, pour nous annoncer l'évangile. Béni et continue béni. Nous prions. Nous adressons requête ça, Seigneur, dans le nom, le plus grand nom de la terre, au nom du Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Alléluia, merci Seigneur. Nous pas capables de saluer la sœur Betty, destinée qui a à peine branché aux salutations spéciales. Restez branchés. Que le Seigneur est capable de bénir nous toutes. Salut à Sœur Bernadette Mathurin de Boston. Qu'est-ce que femme? Sujet à soya. Tu es poussière. Tu retourneras en poussière. Écoutez ça. Bah le Seigneur gloire, nous va le prêcher au nom de l'évangile. T'es bien là. Ou à écouter édition Hébreux 13. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sujet à soya, tu es poussière, tu retourneras en poussière. Prenez votre Bible. Merci la sœur Bernadette qui t'a proclamé grand nom ça. Le nom qui est au-dessus de tout nom dans les cieux, ce nom est grand sur la terre, ce nom est grand sur la terre, ce nom est grand. Dis ça avec moi. Oh, yeah.
est-ce qu'on croit ça? Nous pourrons prouver le grand dans la parole de Dieu. Allah ou grand Seigneur, Allah ou grand. Genèse chapitre 3, à partir du verset 17. Bonsoir Nadia Chancy. Salut le petit pasteur pour moi. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Genèse chapitre 3, le verset 15 jusqu'au verset 19. Bon, on lit pour vous-même. Et je mettrai de l'hostilité entre toi et de la femme, entre ta semence et son germe. Celui-ci écrasera ton agitation, verset 15, et toi tu contrarieras ses pas. Le verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai grandement l'indisposition de ta grossesse. Dans le sang, tu enfanteras tes enfants avec douleur. Et tu voudras exercer le contrôle sur ton mari, mais il dominera sur toi. Verset 17. Et il dit à Adam, puisque tu as obéi à la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, Je ne mangerai point. Le sol sera maudit à cause de toi. Tu en mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie. Verset 17. Verset 18. Et il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. 19. Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, tu retourneras
en poussière. Notre sujet de ce soir, comme vous le savez déjà, mais je le répète encore. Tu es poussière, tu retourneras en poussière. Bon, moi, présenter un petit éditorial, une salutation avec notre bien-aimé Jean N. Gédéon. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Éditorial que m'a présenté au Assoya concernant sujet ça. Tu es poussière, tu retourneras en poussière. C'est parce que à travers médias sociaux, à travers Facebook, YouTube, on travaille qu'a fait pour décourager moun si la yo qui croit en le Seigneur Jésus-Christ qui est annoncé comme le plus grand nom de la terre. Et travaille la fête avec des hommes qui formaient des universitaires, des lettrés pour annoncer pas donc Dieu qui existait. Et nous vivons dans un moment pour nous capables réellement prendre décision pour nous connaître exactement qui est-ce que nous voulons servir. Est-ce que nous voulons servir Dieu, le vrai Dieu? Ou voulez nous oublier, nous voulez prendre propre destin pas nous pour nous conduire propre tête pas nous. À travers le monde, mon message qu'a véhiculé. La Bible, c'est pas la parole de Dieu. À travers nation yo, en pile a prôné que la Bible pas réalité. Et bral prouver ça dans un verset. Si la Bible pas réalité, c'est pas la parole de Dieu. Des milliers d'années de cela. Que le livre de Genèse, écrit, rapporté, puisque l'homme, dans le jardin d'Éden, qui c'est la grâce de Dieu, présence de Dieu, vos amis qui écoutez Hébreux 13:8, jardin d'Éden, c'est pas un lieu littéral, mais plutôt, c'est la grâce de Dieu, la présence de Dieu. Et l'homme choisit pour rejeter présence de Dieu, pour le marcher avec propre pensée pâle, pour le prendre propre destinée pâle en main. Et n'a pas annoncé avec Facebook à toutes médias, sociaux médias,
à toutes amies qui ont écouté à travers le monde. Il y a un Dieu, un vrai Dieu. Un vrai Dieu qui contrôlait le monde. Des milliers d'années de cela que la Bible rapportait à cause d'une telle désobéissance. L'homme choisi pour le prendre destin en main. Dieu déclaré à l'homme, mais ça pral rivé. Elle dit l'homme, puisqu'on choisit désobéir au lieu obéir, m'a déclaré ou c'est poussière. Et ou a retourné en poussière. Bon bagaille l'homme va penser c'est que l'homme trouvait lui trop intellectuel, trop intelligent pour obéir la parole de Dieu. Le fait que l'homme ait possibilité lit dans des livres quelques philosophes écrits, présentés à travers le monde. L'homme oublié que Dieu est la science des sciences. Numéro un, Dieu connaît d'abord passer l'homme. En d'autres termes, l'homme lui connaît l'homme parfaitement bien parce que l'homme est dans l'éternité. L'homme lié que Dieu non seulement connaît passé et l'homme connaît Dieu connaît présent l'homme. Non seulement l'homme, Dieu connaît présent l'homme, mais il connaît futur l'homme. Il connaît demain l'homme. Et l'homme limité, l'homme oublié passé, l'homme oublié même présent, et l'homme limité, l'homme pas connaît demain. Mais l'homme toujours prôné. Dieu n'existe pas. M'bral font un exercice avec nous à Soya. Dans Texas, côté des milliers d'années de cela depuis Dieu déclaré à l'homme à cause de la désobéissance. Elle dit l'homme tu es poussière. L'homme tu retourneras en poussière. M'daremé que yon de nous à travers Facebook, à travers YouTube. Si la Bible pas la parole de Dieu, pendant à violer tout ça la Bible dit. Mais il y a un texte dans la Bible Dieu permet que texte ça inviolable. Qui que vous soyez, quel que soit niveau, dimension, relation,
texte ça pas violé. Tu es poussière, tu retourneras en poussière. Me lance un défi à tout grand à travers le monde qui violait texte ça. Et à partir de ce moment, depuis le violet texan, elle prouvait que ça pas réel. M'a fermé Bible. M'a prêché l'évangile encore. Et m'a suivi. Mais puisque me connais l'impossible pour l'homme violet texan, parole ça, tu es poussière, tu retourneras en poussière. Chers amis, chers téléspectateurs, d'arrêter mon petit exercice avec souffle qui a traversé dans la rue ou à soi. D'arrêter mon petit exercice avec vent ça. Cap traverser narine. Nous constater à travers souffle cap traverser dans narine, li pas plus qu'en seconde, fait expérience. Râlez et puis mettez-le dehors. Li pas plus qu'en seconde. Ça veut dire l'homme a vivre avec une seconde de souffle. Une seconde de souffle by l'homme l'existence sur la terre. Pendant là l'homme a dit que la Bible pas vrai. M'pas obéir. M'pas attendre. Garder dans la rue nous assoya ou même qu'a coûter. Râlez souffle ça, et mettez-le dehors. Gardez-le pas mais plus que une seconde. Fais expérience ça. Ou fais expérience ça. Lis pas une seconde. Gain pile. Zami kap circule. La Bible pas vraie. Parole la pas réelle. Yo pas obéi, c'est l'homme qui écrit. Même vle dire assoya à travers ce texte. Des milliers d'années de cela, depuis Dieu déclaré, tu es poussière. Tu retourneras en poussière. Et son piège que Dieu placé pour tout crédule qui pas croit dans la Bible, qui pas croit dans la parole de Dieu. Et ceci pour nous écouter ma soeur. Texte inviolable. Ou ka violé tout texte honnête. Mais texte inviolable. Tu es poussière. Tu retourneras en poussière. Semblerait-il que l'homme blié que Dieu est Dieu. Dieu est notre souverain. Dieu est notre maître. Dieu est notre chemin. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous conduit. M'vindou assoya. Sou pa ka viole texte ça. Fait tout ça qui dépend de ou pour obéir toute la Bible. Parce que toute la Bible est la parole inspirée de Dieu. Est-ce qu'on va écouter?
toute la Bible est l'inspiration de la parole de Dieu. L'homme bat importance à carnet banquio. Il va bat importance à la Bible. L'homme bat importance à passeport yo. Mais l'homme bat bat importance à la Bible. L'homme bat importance avec caillou, avec machine yo, avec travail yo. Mais l'homme pas bat importance à la Bible. Semblerait chaque prédicateur qui campait pour prêcher l'évangile, bon foule qui campait contre parole. N'a dit ou assoir. La Bible, c'est l'inspiration de Dieu, le vrai Dieu, le Dieu qu'on appelle l'immortel invisible, c'est sa parole. Nous devons le respect, nous devons pour obéir à la parole. D'abord, regardez un bon commentaire pendant ma prêcher sur la résurrection des morts. Gonfrek parlait, c'est comme croix. Il va gagner pour quitter la terre. Mais n'abdi ou? Chaque bien-aimé a souhait à Kapkouté à travers le monde. Kapkouté, édition hébreu 13. Dans chaque zone, pas oublier gon cimetière. Et cimetière ça, il pas fait autrement. Qui que vous soyez, roi, prince, président, intellectuel, ou bien se plier à battre ça, parce qu'on pourrait aller là un jour quand même. Et me lance un défi à travers le monde. Quel que soit intellectuel qui dit pas de bon Dieu, prouvez-moi qu'elle pas rentrer dans le cimetière ça. Côté Dieu t'est déclaré avec l'humanité, tu es poussière, tu retourneras en poussière. Et bien puisque ordonnant ça, l'ordre ça, parole ça, les inviolables. Ou pas qu'à violer. Ou pas aller quand même. Et pas de personne qui est capable de dévier l'ordre ça. Et c'est au carrefour que Dieu rencontre à l'homme. Tu es poussière. Tu retourneras en poussière. Et Dieu va mettre plus que une seconde de souffle dans tes narines. C'est un moyen pour l'homme capable de réfléchir. Il n'est pas capable de violer les lois de Dieu. Chers téléspectateurs, amis auditeurs, sans doute, ou habitué à écouter Hébreu 13:8, ou pas respect que nous avons avec un texte comme ça. Pour nous rappeler qu'on est pour quitter la terre. Puisqu'on n'a pas violé le texte. Notamment, on n'a pas parlé en poussière. Et bien, puisque on rencontre un carrefour. Ou pas qu'à traverser carrefour là. Ou pas qu'à violer Texas. Et bien, on bagaille pour faire. Ça, on est pour faire. Obéis Dieu. Obéis parole.
de Dieu. C'est le souffle de Dieu. C'est l'inspiration de Dieu. Et qui que vous soyez, c'est la parole de Dieu. Ou pas aller au-delà de lui. David, dans le psaume 139, David, qui fait expérience avec le Seigneur, il est dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Éternel, tu sais quand je m'assieds. Éternel, tu sais quand je me lève. David dit, Éternel, tu comprends de loin de ma pensée. David, l'homme de Dieu, il dit, Seigneur, Éternel, tu sais quand je marche et que quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. David dit dans le verset 5, tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Et David reconnaît, il n'est pas qu'à violer la parole de Dieu. Il a dit, une telle science est trop merveilleuse pour moi. Trop élevée pour que je puisse la saisir. Et ça qui est intéressant dans le texte, David dit, où irai-je loin de ton esprit? Où irai-je? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, que j'arrête demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Chers téléspectateurs, amis, auditeurs, si nous tendez des intellectuels qui perdent du tête, qui ont dit, Bible ça, c'est pas la parole de Dieu. Ou bien toute autorité pour démentir. Prends texte ça. Genèse, chapitre 3, le verset 19. Tu es poussière. Et tu retourneras en poussière. Dit intellectuel là. Depuis qu'il explique au texte ça, il a violé. Ou d'accord pour suivre. Ou d'accord pour marcher. Dans ça, il a dit. Mais s'il pas qu'à violer. Soyez très intelligent. Bal Texa. Texa, c'est carrefour que Dieu rencontre à l'homme. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. Chers téléspectateurs, amis auditeurs, cap coûter qui, n'importe côté que vous coûter, pas oublier. Fait qu'on ait texte ça, Genèse chapitre 3, verset 19. L'inviolable. Ou violer presque toute la Bible. Mais pas oublier texte ça ou pas qu'à violer. Et réfléchir à soi. Si ou pas qu'à violer texte ça, ça veut dire ou gain responsabilité pour obéir Dieu. Ou gain responsabilité pour obéir toute la Bible. Et pas quitter personne moun séduit ou. Pas quitter personne moun trompé ou. La Bible est la parole de Dieu. On nous dit même si la Bible mande ou. Reconnaître qu'un Dieu est le seul vrai Dieu. Quoi? Si la Bible mande ou. Recevoir le baptême qui c'est un symbole
de la mort pour mourir dans la foi, pour ressusciter dans la foi, obéir. Ou même qu'à écouter, pas faire rebelle avec la Bible, croire la Bible, j'en lié, obéir la Bible. Préférer ou pas croire aucun livre de la terre, mais la Bible, le plus grand livre du monde. La Bible, le plus grand livre à travers l'humanité. Ou même qui sont sauvés, ou même qui sont prédestinés, ou élus, obéir. Et continuer à obéir ou même qu'à obéir. Continuer à vivre, ou même qu'à continuer à vivre. Parole ça. Moun qui a des oreilles qui pourtant détendent. Espérant que chaque bien-aimé qui t'a écouté, Hébreux 13:8 à Soya, que parole ça va en sujet de bénédiction. Non seulement pour vous et pour famille. Pas oublier Hébreux 13:8, prêcher. Sous déclarer ou sont sauvés. Petit ou madame ou mari. Déclarer ils sont sauvés. Que le Seigneur est grâce et capable de bénir ou. Que le Seigneur est capable d'aider à comprendre, saisir l'évangile. Que Hébreux 13:8, l'évangile. Que l'édition Hébreux 13:8 a prêché, propagé. Allez sur YouTube. Tapez David Sirai. Nous gagnons une liste de vidéos. Presque 300 de vidéos d'études bibliques élaborées qui sont capables d'aider ou comprendre la parole de Dieu. Obéis parole là. Vive parole là. Croyez parole là. Nous gagnons une édition. Édition Hébreux 13:8. Il fonctionnait chaque mercredi à partir de 7h30. Chaque jeudi à partir de 7h30. Chaque dimanche à partir de 7h30. Ou même qui pas gagne temps qu'al travail, ou capable souscrire sous Hébreux 13:8. Et permettre que vidéo ça vienne joindre nous. Lors un petit temps, ou capable écouter, ou capable tendre. Yo gen vie là-dedans yo. Yo gen présence bon Dieu capable encourager nan. Que Facebook, YouTube, tout auditeur téléspectateur k'ap koute, que édition Hébreux 13:8 capable un sujet de bénédiction qui pour conduire dans la foi, qui pour aider grandir et pour accompagner jusqu'à la victoire finale. Pas oublier tapez David Sirai sur YouTube et pour abjoindre l'enseignement de la parole de Dieu. Passons très bonne soirée. Que le Seigneur nous grâce, capable de bénir. Bonne soirée et à mercredi pour l'autre édition sur la résurrection. Sur la résurrection des morts. À soyez en tape coûté. Tu es poussière. Tu retourneras en poussière. N'annoncez à tout intellectuel qui a prêché sur Facebook, sur YouTube. Pour être capable de faire un vol de face. Prouvez. Dieu ça, il existait. Et si, vous avez persisté. Prouvez au texte ça. Genèse, chapitre 3, verset 19. N'importe quel intellectuel qui est capable. Expliquer texte ça en l'autre façon. Yo capable violer texte ça. Admettre qu'on pas croit dans Bible. Et si yo pas capable expliquer, yo pas capable violer texte. Yo gagné pour y aller. Yo c'est poussière et pour y retourner en poussière. Gon seul bagage au café. C'est obéir la parole de Dieu, vivre parole et remet yon l'autre pour nous capable servir le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que bon Dieu bénisse vous et à la prochaine.
Gloire à Jésus, merci Seigneur.